Chers amis, bonjour à tous et merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette session dédiée aux villes du futur et aux défis de l'urbanisation. J'aimerais commencer en vous citant 4 chiffres. 2, 50, 70 et 80. Les villes représentent 2% de la surface de la Terre et 80% des émissions de CO2, 70% de la consommation globale d'énergie et 80% des émissions de CO2. Je crois que ça donne une bonne idée des défis immenses que présente l'urbanisation au cours de ces prochaines années. On est maintenant 3,5 milliards de personnes à vivre en ville, et au cours des 40 ou des 50 prochaines années, ce chiffre va tout simplement doubler, et ça va se passer d'abord dans les pays émergents. Alors à quoi ressemblera la ville du XXIe siècle? Quel impact l'urbanisation aura-t-elle sur le logement, sur les transports, sur l'eau, sur la gestion des déchets et de l'énergie? Et comment les villes peuvent-elles s'y préparer et en tirer parti? Voilà quelques-unes des grandes questions qui vont nous animer et nous préoccuper aujourd'hui. Pour en parler, permettez-moi de vous présenter les invités qui ont accepté de participer à cette discussion aujourd'hui. Aly Konte est géographe et journaliste et spécialiste des questions de sciences et de développement durable. Je vais les présenter, mais pas dans l'ordre. Rudiger Ahrend est économiste et directeur du programme dédié aux politiques de développement urbaine auprès de l'OCDE. Également avec nous, Bernard Valero, qui est directeur général de l'Agence des villes et des territoires méditerranéens durables, qui a pour objectif de promouvoir des démarches de développement urbain et territorial en Méditerranée. On a également avec nous David Berman, qui est en charge des affaires européennes au sein de Veolia, un groupe qui s'est fait une spécialité dans la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie. On a aussi avec nous Gerald Babel-Sutter, qui est le CEO de Urban Future Global Conference, qui est la plus grande conférence d'Europe centrale pour le développement des villes durables. Également avec nous, M. Ricardo Rio, qui est le maire de Braga, au Portugal, une ville qui compte près de 200 000 habitants. Jean-Pierre Elong Mbassi, bien sûr, le secrétaire général du CGLU, l'organisation panafricaine qui est basée à Rabat et qui regroupe toutes les villes et les collectivités territoriales d'Afrique. Et enfin, Noureddine Boutayeb, qui nous rejoint du secrétaire général, ou qui est le secrétaire général, pardon, du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut, pour lancer la discussion, Gerald, poser les termes du débat? Quelles sont les grandes tendances et les principaux moteurs de l'urbanisation aujourd'hui dans le monde, d'abord généralement? Well, thank you first to the Institut Amadeus for having me here. I'm very happy to be able to share some of my experiences. I think, going to your question, the biggest factor affecting cities in the next decades will be, as you said, the urbanization as well as the rapid population growth. And in particular, the combination of those two will affect almost any area in the cities, from the infrastructure systems to the government structure, to the way how to deal with the citizens itself. So when we look into the future, for example, until 2050, that means there will be about 2.5 billion more people living in cities, most of them in Asia and in Africa. That's a huge number. If you break that down, that means that there is a city, or actually 2 cities in the size of Tangier, developing every week somewhere in the world. And this means, or actually the question is, how do we handle that kind of growth, knowing that already we kind of stress the resources of our planet to the extreme? So how we deal with that kind of growth will pretty much determine what's going to happen to us. Merci beaucoup. Jean-Pierre, auparavant, et notamment en Asie, l'urbanisation s'accompagnait d'un développement économique important. Ces 2 phénomènes qui allaient la main dans la main. Aujourd'hui, notamment en Afrique, on voit que l'urbanisation ne se fait pas forcément en parallèle d'un développement économique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus et nous donner un petit peu les tendances qui sont à l'œuvre sur le continent? D'abord, je voudrais dire qu'il faut très clairement distinguer l'urbanisation telle qu'elle s'est passée dans les pays aujourd'hui urbanisés et l'urbanisation telle qu'elle se passe en Afrique. Une question de vitesse d'abord. Il a fallu un siècle pour que la ville de Paris passe de 500 000 habitants à 1 million d'habitants. Il a fallu 25 ans pour que Lagos en Afrique traverse la même distance. Lagos, c'est 500 000 habitants par an supplémentaires. Donc la vitesse de l'urbanisation en Afrique est inédite dans l'histoire. Et je crois qu'il faut prendre en compte ce phénomène-là. Lorsque vous dites que cette urbanisation ne s'accompagne pas du développement économique, je dirais non, elle ne s'accompagne pas du développement industriel. Mais on ne doit certainement pas dire que l'urbanisation ne s'accompagne pas du développement économique. Ce développement-là n'est peut-être pas au niveau que nous aurions souhaité, mais il est indéniable que lorsqu'une personne quitte une zone rurale pour aller en ville, elle habite avec ses pieds parce que sa vie en ville, en général, est bien meilleure que sa vie dans la campagne. Et en ville, la voix porte. Dans la campagne, on ne l'entend même pas. Donc c'est normal que l'urbanisation soit une tendance naturelle de l'amélioration des conditions de vie. Et si c'est une tendance naturelle, ça veut dire qu'il y a quand même un certain développement économique qui se passe du fait de l'urbanisation. Et nous avons prouvé qu'un habitant urbain est 4 fois plus productif qu'un habitant rural, toutes choses étant égales par ailleurs. Bernard Valero, vous nous venez de l'Agence des villes et des territoires méditerranéens durables. Est-ce qu'on observe la même tendance dans les villes sur le pourtour méditerranéen? Oui, bien sûr. Permettez-moi d'abord de remercier et de féliciter l'Institut Amadeus pour cette remarquable organisation de ce forum qui nous donne précisément l'occasion d'échanger sur des questions qui sont absolument essentielles. Sur la Méditerranée, nous observons plusieurs choses et qui fait de cet espace un espace tout à fait particulier sur le thème qui nous occupe. D'abord parce que nous y sommes aujourd'hui. Première raison. Deuxièmement, 80% de la population méditerranéenne sur le pourtour de la Méditerranée sera urbanisée dans les 15 ans qui viennent. Troisième raison, et précisément la MEDCOP qui s'est tenue à Tangier au mois de juillet a montré que la Méditerranée sur le plan environnemental était un espace particulièrement fragile. Et enfin, la dernière raison pour laquelle nous nous intéressons beaucoup à cette mer qui est commune, c'est qu'au-delà de sa fonction de point de rencontre entre deux continents, au-delà de ses fragilités, au-delà de sa croissance tout à fait exponentielle, je rappelle quand même que par la Méditerranée transite environ 1/3 du transport maritime mondial, ce qui en fait véritablement un enjeu tout à fait global. Et donc nous assistons à cette évolution, parfois avec préoccupation, mais souvent également avec espoir, parce que nous voyons se dessiner une prise de conscience et une responsabilité collective en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire sur la Méditerranée. Un, autour des métropoles portuaires, et je ne dis pas ça parce que nous sommes à Tanger aujourd'hui, mais précisément c'est le mode d'organisation urbain que nous observons se développer à très grande vitesse en Méditerranée. Et à partir de là, nous devons évidemment nous doter des moyens de maîtriser cette évolution en mettant à l'œuvre de nouvelles méthodes, de nouvelles formes de faire de l'urbanisme. Et je pense que nous en parlerons au fil de notre discussion. De nouvelles formes d'urbanisme, oui. Ricardo Rio, vous nous venez de Braga, vous en êtes le maire. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous vivez au quotidien, qui sont les principaux défis auxquels font face les villes face à l'urbanisation croissante? Comment vous vivez ça au quotidien en tant que responsable politique qui est vraiment en première ligne dans la gestion de ces défis? Well, first of all, I'd like to thank Institut Amadeus for the invitation, for sharing our views here in this important conference. And then I would say that for my generation, there was a computer game very popular, which was SimCity, in which we could build a city from scratch, planning all sorts of investments, all sorts of growths, with time in order to improve the city and match the requirements of the population. Well, actually, in developed countries, the cities don't have this sort of opportunity because the cities are already built, and so we need to reinvent those cities, challenging these problems that Gerard mentioned, as the growth of population, the need of reinforcing the recovery of the urban centers, investing in new solutions for mobility, and being more ecologically friendly. And at the same time, in the developed countries, you don't have the time to do the planning that the game allowed. This is that the responsibles of a city need, first of all, to have some sort of strategic view and some planning. But that planning and how it is implemented, it depends on things that they don't control. They need time that they don't have. They usually need resources that they need to find either through alternative ways of financing or with partnerships with the private sector. And they need to have the support of the population and institutions to develop those type of projects. And so I think that the biggest challenge in all cities, well, all over the world, it's how the governance model is settled and how we can join the efforts of all the partners to do the projects in each of the cities. J'ai l'impression que ce qui sort de notre discussion jusqu'à maintenant, c'est qu'on, les villes, où qu'on soit, dans les pays développés ou dans les pays en développement, on fait tous face à un tas de problèmes similaires. Et ça, ce qui me marque particulièrement, c'est que lorsque vous parlez à des citoyens urbains, quand vous leur demandez ce qu'ils veulent, vous obtenez, où que vous soyez dans le monde, à peu près les mêmes réponses. Les gens veulent avoir accès à un logement qui soit abordable, et qui soit décent. Ils veulent pouvoir aller au travail rapidement et facilement. Ils ne veulent pas passer leur vie dans les transports en commun. Ils veulent vivre en sécurité. Et ils veulent vivre près de leur travail. Est-ce que, Mamé, vous partagez cette opinion? Est-ce qu'on fait finalement, partout dans le monde, face à des défis communs? Merci Frédéric. Vous avez dit tantôt géographe et journaliste. Je crois que ça me donne un peu la liberté de regarder la ville d'une autre façon en concevant, mais également en écrivant, en faisant des papiers. Ça m'a poussé souvent à réfléchir sur des problématiques urbaines, avec des experts bien sûr, et ça m'a amené à poser cette question que j'ai soulevée tout à l'heure, c'est de savoir combien de débats de ce type nous ferons pour que la ville de demain soit une ville durable, en Afrique surtout. Parce que c'est en Afrique que ça se pose le plus. Le système de transport urbain, il est pratiquement confiné à des espaces très réduits. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le citoyen se demande quels sont les services que lui rend la ville quand il les demande. Ça, c'est une question. L'autre question, c'est que le contexte dans lequel l'Afrique vit, c'est que la ville est un espace économique de production de biens. Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure. Mais en fait-elle pour autant pour que cette économie-là devienne un espace viable dans lequel le citoyen puisse dire « je suis content de la vie que je mène dans la ville ». Ça, c'est une question. L'autre question qui se pose dans nos villes par rapport à la mobilité urbaine, par rapport aux questions d'infrastructure, par rapport aux questions de la gestion des déchets, c'est Jean-Pierre Elong Mbassi qui disait quand il était président et secrétaire général du PDM, le programme de développement municipal, que pour qu'une ville africaine puisse assainir correctement ses espaces et rendre la vie des citoyens agréable à l'intérieur, en son sein, il faudrait qu'ils puissent mobiliser un revenu national par tête, un revenu par tête supérieur, égal ou supérieur à $600. Je ne sais pas, il le disait il y a 15-20 ans, je ne sais pas ce qu'il me dira aujourd'hui, mais le contexte dans lequel évoluent les villes, en tout cas en Afrique, est un contexte particulier, qui fait que nous sommes en même temps dans des villes et des villages. Parce que dans la même ville, vous avez des armatures qui sont très développées, mais vous avez également, dans nos bidonvilles, tout ce que la ville ne doit pas faire. Donc voilà un peu le contexte. Dans le débat dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est une opposition de style entre ce que les Européens, les Occidentaux ont fait en matière d'urbanisme et qui est très expressif et qui peut nous permettre aujourd'hui d'avancer. Mais sur les 47 grandes agglomérations africaines qui font aujourd'hui plus d'1 million d'habitants, vous en verrez rarement des villes qui ont un accès, qui ont une mobilité urbaine qui est vraiment exceptionnelle, qui ont développé des zones d'infrastructures qui permettent de sauver ce qui est sauvable, par exemple, en matière de terres agricoles, en matière de foresterie urbaine. Ces choses-là n'existent pas dans nos villes. C'est-à-dire le bien-être et nos villes, ça fait comme deux choses qui sont très différentes. C'est un peu vraiment la note d'introduction que je voulais faire pour dire que le travail continue. Peut-être qu'un jour, on trouvera quelqu'un ou un leader qui pourra porter ces projets-là. Mais la notion de ville durable, la notion de ville verte, c'est à inventer en Afrique. Est-ce que, pour continuer ensemble et pour vraiment avoir des éléments concrets, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui change réellement quand les gens s'urbanisent, ce que vous observez en Afrique? Mais c'est très compliqué de le dire parce qu'il manque de leadership. On a un manque de leadership, surtout dans le domaine sur lequel nous sommes en train de discuter aujourd'hui, la ville durable. C'est un concept savant, mais c'est un concept dans lequel il faut trouver un habit à faire porter. Jusqu'à présent, en Afrique, aujourd'hui, dans tous les pays, chacun parle de son émergence, chacun parle également de développement durable. Mais personne ne l'habille comme on pourrait, par exemple, trouver un costume en disant « voilà le costume qui va à tout le monde ». Bien vrai que ce costume-là ne peut pas aller à tout le monde. Mais au moins, est-ce qu'on trouve un modèle? Il faut inventer ce modèle-là, mais pour l'inventer, il faut un leadership très fort. Et ce leadership-là, vous me posez la question, ça viendra d'où? De la société civile, des acteurs politiques et des élus? Ça, c'est une question. Le Maroc donne le ton en essayant un peu de faire accéder à toutes ces villes. On a assisté tout à l'heure au débat sur l'énergie. Le Maroc donne le ton. Le Sénégal est en train d'inaugurer quelques centrales solaires pour permettre à ces villes de s'illuminer. Mais moi, je suis convaincu, et comme le disent tout le temps les experts, dont Aline Badian, aujourd'hui ancien de l'ONU Habitat, mais aussi Jean-Pierre Elong Mbassi, la ville reste un espace de production économique. Et il faut que ce qu'elle produise permettre aux gens d'y vivre correctement et convenablement. Maintenant, les acteurs sont vraiment divers. Il faut qu'on ait une synergie. Il faut qu'il y ait des débats internes. Ces débats-là, ils existent. Ils ne sont pas nombreux parce que les gens ne se donnent pas les moyens de les organiser comme on est en train de le faire ici grâce à l'Institut Amadeus, mais également au Maroc. Vous avez évoqué le concept de ville durable. Noureddine Boutayeb, vous nous venez du ministère de l'Intérieur ici. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que la COP22 vient de s'achever à Marrakech. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce que cette notion de durabilité et aussi cette notion de changement climatique, est-ce qu'elles sont réellement prises en compte aujourd'hui dans le développement des villes? Je peux répondre non et terminer la réponse et m'arrêter là. Mais je pense qu'il faut commencer par là où vous avez démarré au début. Vous avez parlé de l'espace urbain. 2% de la superficie des territoires sont urbains. Sur les 2%, nous avons 60% de la population, les 70 et les 80 dont vous avez parlé. Donc ça veut dire que sur ces 2%-là, si on ne met pas suffisamment d'intelligence, si on n'a pas la gouvernance qu'il faut, si on n'a pas l'organisation qu'il faut, si on n'a pas les ressources qu'il faut, on ne sera pas durable. On ne sera pas durable. Ce qu'il faut, c'est sortir du quoi pour aller voir le comment. Le quoi, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, nos villes, nous courons après la croissance urbaine. On subit plus qu'on anticipe. Il faudrait pouvoir anticiper. Et pour anticiper, il faut pouvoir comprendre quels sont les leviers qu'il faudra pouvoir utiliser. Chaque pays a son histoire, chaque pays a son parcours de décentralisation, chaque pays a ses leviers, et je crois que chacun doit essayer de voir comment y arriver. Au Maroc, l'expérience de la décentralisation, elle a quelques décennies, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, par rapport aux villes de ma jeunesse, et la ville que je vois aujourd'hui, nous avons été... comment dire, bousculé par la non-maîtrise de la croissance urbaine, de la croissance démographique, puisque la ville est un lieu de production, et donc du fait que la pression sur la terre est devenue importante, ben les citoyens n'ont d'autres moyens que d'aller vers là où il y a la possibilité pour qu'il gagne sa vie. Donc d'où l'intérêt aujourd'hui de se dire quelle est la cible qu'on veut atteindre. La durabilité, les défis de la ville durable, c'est les défis de la maîtrise de la croissance urbaine, c'est le défi écologique parce qu'on consomme beaucoup de ressources, le défi de l'eau. Plus on a une ville qui commence à grandir, plus le défi de lui ramener suffisamment d'eau pour pouvoir alimenter en eau potable les citoyens devient important. C'est le défi de la compétitivité, parce que nous sommes dans un monde compétitif, un monde globalisé, et une ville qui veut offrir à ses citoyens suffisamment d'emplois doit être attractive. Et pour qu'elle soit attractive, il faut qu'il y ait le cadre de vie qui soit là, il faut qu'il y ait la mobilité urbaine, parce que si la ville est congestionnée et qu'on passe 3 heures pour aller d'un endroit à l'autre de la ville, ben on ne s'en sort pas. Et c'est le défi de la cohésion sociale. Il ne faut pas qu'on arrive à une ville avec d'un côté des bidonvilles ou des ghettos et de l'autre côté des villas. Donc cet ensemble-là, comment arriver à le prendre en charge, c'est là où la question se pose, c'est là où il faut pouvoir innover, et je crois que chaque pays essaie de trouver des solutions en utilisant le foncier comme levier quand il peut utiliser ce levier-là, en innovant en termes d'outils de financement, en termes de gouvernance, parce que même quand on prend une ville, c'est un ensemble de communes. Si on laisse chaque commune travailler toute seule, ça ne marche pas. Il faut pouvoir avoir le périmètre approprié. Donc moi je pense que c'est dans la ville durable aujourd'hui, nous n'y sommes pas, mais il faudrait pouvoir tracer cette trajectoire pour voir comment y arriver. Parce que les bâtiments, avec le temps, se détériorent. Il faudrait pouvoir voir comment reconstruire la ville sur la ville, comment la reconstruire de manière plus durable. Vous dites, c'est intéressant, la ville durable, on n'y est pas, et vous dites qu'on subit plus qu'on anticipe. C'est un constat qui fait quand même assez peur. Et peut-être pour introduire une note d'optimisme, ou du moins de tracer un sillon, Rudiger, vous nous venez de l'OCDE. Est-ce qu'il y a des villes aujourd'hui qui montrent l'exemple? Est-ce qu'on a des modèles, des gens qui sont plus loin et qui ont déjà réussi à anticiper les défis qu'on vient d'évoquer? Il y a un certain nombre de grandes villes. Avec grandes villes, je pense vraiment des villes 10 millions, 20 millions de personnes qui certes ont aussi encore des problèmes d'environnement et de congestion, mais qui sont quand même qui fonctionnent relativement bien. Et là, je parle surtout des villes, on parle de Corée du Sud, un certain nombre de villes en Chine. Bien sûr, là, le problème de la pollution est encore très pressant, par exemple à Shanghai. Mais bon, au moins, c'est des villes qui arrivent, qui donnent une mobilité qui est assez élevée et qui donnent une mobilité aussi qui se fait d'une grande partie d'une façon soutenable. Bien sûr, il y a aussi encore beaucoup de voitures dans ces villes-là, il y a le problème aussi, mais c'est quand même tout le monde peut arriver à un temps à peu près correct pour aller traverser les villes, pour aller travailler. Et ça, c'est aussi un facteur bien sûr de bien-être, de ne pas passer 4 heures dans le transport, mais c'est aussi un facteur bien sûr d'environnement, mais c'est aussi un facteur économique, un facteur de productivité. Parce que, pourquoi les villes sont productives? Un des facteurs énormes de productivité des villes, c'est le fait que c'est un marché de travail qui est très grand. Ça veut dire que les gens ils peuvent trouver un travail qui correspond vraiment à ce qu'ils savent faire. Mais bon, ça veut aussi dire qu'ils peuvent y aller physiquement. C'est grossièrement de votre ville et c'est que tous 10% de travail, vous pouvez y aller, tout le reste, vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas de transport et la congestion. Vous n'êtes pas dans une ville de 10 millions, vous êtes dans un village de 50 000 ou de 200 000 personnes. Et vous savez la productivité qui va avec ces petits ensembles et pas la productivité d'une grande ville. Alors c'est aussi une perte économique énorme si vous n'avez pas une ville qui fonctionne bien. Alors il y a toutes les dimensions qui sont là de cette fonctionnement de ville et qui explique aussi, on a parlé au début de cette fête, quand vous regardez, vous voyez bien que les développements économiques, sans urbanisation, ça n'existe pas. Si vous regardez des pays en dessous d'un taux d'urbanisation de 45%, c'est des pays forcément pauvres. Mais après, vous avez des taux d'urbanisation de 60-80%, vous avez des pays qui sont très développés, très riches, mais vous avez des pays où c'est pas passé grand-chose. Et là, la différence, c'est vraiment exactement de faire des villes qui fonctionnent. Et pour avoir des villes qui fonctionnent, le transport, c'est une des choses primordiales. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ville qui fonctionne bien et qui répondrait à ces critères? Mettre des mots sur des concepts. Je trouve, comme j'ai dit, je trouve que Shanghai et Séoul sont des villes qui fonctionnent comme plutôt trop bien, étant donné leur taille. En Amérique latine, il y a des problèmes qui sont souvent un peu similaires que les problèmes qu'on trouve en Afrique. C'est des villes très congestionnées. Moscou, c'est la même chose. Mais bon, il y a comme un certain nombre de villes, en Asie surtout, qui étaient planifiées avec beaucoup de transports publics, aussi d'une façon relativement compacte. Je ne veux pas dire qu'il faut avoir un maximum de densité, mais il faut comme une densité minimum pour qu'on puisse faire un transport public. Parce que si on est tout étalé un peu partout, après on est certain que le transport public, ça ne marche pas, c'est pas efficient, c'est beaucoup trop cher. Mais si vous voulez, c'est pour avoir une ville qui ait un système de transport efficace, il faut commencer avec la structure de la ville. La forme de la ville, elle joue énormément. Si vous permettez à faire des structures des villes, un peu n'importe comment, n'importe où, n'importe quoi, après ça ne va pas marcher, c'est certain. Et pour ça, il y a un autre problème qui va jouer, c'est justement les structures de gouvernance, on en a parlé. Si vous savez, des structures de gouvernance pour le transport et surtout pour le urban planning, qui sont très éparpillées, si chaque commune a le droit de décider un peu ce qu'ils veulent, vous trouvez des solutions non comparatives et qui sont très très mauvaises. Je vous donne un exemple, juste pour dire que ce n'est pas un problème que de l'Afrique. Il y a une très grande ville qui a... C'est un pays plutôt très riche, qui a un très grand aéroport. Si vous allez dans cet aéroport, vous voulez prendre le train rapide pour aller dans le centre-ville et vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas. La question de financement, ce n'est pas ça, parce que, bon, comme je dis, c'est un pays assez riche quand même. Et là, on a parlé avec les gens et ils nous ont dit pourquoi il n'y a pas de train rapide. Ils nous ont dit, ici chez nous, le problème, c'est que si on veut faire de l'infrastructure de transport, il faut que tous les maires des communes qui sont sur le chemin soient d'accord. On a essayé, il se trouvait que ceux qui étaient proches de l'aéroport, ils nous ont dit, écoutez, les gens qui votent pour moi, franchement, ils sont proches de l'aéroport. Pourquoi ils ont besoin de ce train-là? Et en plus, ça fait du bruit. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Et ça s'est arrêté là. Et bon, c'est peut-être objectivement, comment je dirais, du point de vue de cette maire-là, c'est peut-être raisonnable, mais d'un point de vue collectif, c'est un désastre. Et ça, c'est quelque chose qui se voit dans beaucoup de décisions. C'est pour ça, c'est des structures de fragmentation gouvernementale dans les villes qu'on voit une absence de gouvernance qui a vraiment les objectifs de la métropole en tête. C'est un énorme problème. Et c'est surtout un problème dans le domaine du transport. On a fait des études là-dessus, on a démontré. C'est surtout au niveau du transport et du urban planning. Si vous n'avez pas un système qui vous permet de prendre des décisions vraiment pour toute la zone métropolitaine, à ce niveau-là, vous êtes en train de faire des solutions qui sont vraiment très sous-optimales et qui risquent de ne pas fonctionner très bien. On a démontré d'ailleurs aussi que justement cette fragmentation des métropoles en plein de municipalités a un coût économique très fort. On a démontré que si vous avez pour une même population, vous avez 2 fois plus de municipalités dans une zone métropolitaine, vous perdez 6% de productivité chaque année. C'est grosso modo votre GDP per capita est 6% de moins chaque année. Et vous pouvez avoir 2 ou 3 fois plus de communes que vous en avez vraiment besoin. Alors c'est vraiment important qu'on a des structures, des autorités métropolitaines qui puissent prendre des décisions parce que c'est extrêmement coûteux. Et on a démontré aussi que ce n'est pas seulement économique, mais on a aussi des coûts de bien-être, de pollution, etc. qui vont avec. On a parlé d'institutions, on a parlé de transport. Il y a un thème aussi qui m'intéresse particulièrement, c'est la question de l'eau, du traitement des déchets, qui sont des problématiques extrêmement importantes et extrêmement complexes. Est-ce que, David, on pourrait faire un petit tour des grands défis qui se posent autour de ces 2 sujets et éventuellement, comment le secteur privé est en mesure d'y apporter des réponses? Merci, Frédéric. Je crois que vous avez... tout à fait raison. Ce qui a été dit jusqu'à présent est fort juste. Les chiffres ont été cités. J'aimerais en citer un autre, si vous me le permettez. 95% de l'accroissement de la population dans les pays en développement va se passer dans les zones urbaines. Vous avez mentionné la COP22. Cette COP22 a été la première à dédier une journée entière aux problématiques liées à l'eau. Effectivement, aujourd'hui... 2,4 milliards d'habitants sur Terre n'ont pas accès à l'assainissement, n'ont pas accès à des toilettes. Plus de 650 millions d'habitants sur Terre n'ont pas accès à l'eau potable. Alors en 2015, les Nations Unies ont adopté des objectifs de développement durable ambitieux, puisqu'il s'agit de résoudre ce problème. C'est l'objectif numéro 6 de développement durable qui est consacré à l'eau. Et l'objectif numéro 11 est dédié aux villes durables et sont mentionnés également les traitements des déchets. Alors sur les solutions, ça a été mentionné, je pense qu'il faut travailler en partenariat, des partenariats qui réunissent l'ensemble des acteurs concernés, qu'ils soient publics, privés, les citoyens, les compagnies d'assurance. Je crois qu'il faut anticiper les besoins, anticiper l'impact du changement climatique qui va accentuer l'impact sur les ressources qui sont limitées quand on parle des villes, en particulier pour l'eau. Je crois qu'il faut utiliser les techniques innovantes et la gestion des données pour réussir à atteindre ces objectifs. Et bien entendu, il faut approfondir l'économie circulaire, se servir de nos déchets pour en faire des ressources. À ce titre, je pourrais mentionner plusieurs exemples. Pour ce qui est du partenariat et l'anticipation, nous avons pris part, il y a 2 ans, un partenariat, un consortium initié par le ministère des Affaires étrangères français, qui visait à proposer un outil de modélisation en 3 dimensions pour la ville de Santiago du Chili, et en anticipant les besoins et en proposant des solutions 3D qui pourraient être suivies. Pour ce qui est de l'innovation et l'utilisation des données, je crois qu'il est très important aujourd'hui de pouvoir utiliser un maximum ces données dans l'anticipation des catastrophes naturelles qui peuvent arriver, type inondation, dans la résorption des fuites d'eau, et économiser l'eau, et tout simplement sur le contrôle de la consommation pour les usagers qui le souhaitent. L'économie circulaire maintenant, on parlait d'eau. Il faut savoir que 70% des prélèvements d'eau, c'est l'agriculture. Et pour citer un autre chiffre, dans les pays en développement, 10% des eaux usées ne sont pas retraitées. Or, vous voyez l'équation, si on pouvait réutiliser l'eau au moins à des fins agricoles, on ferait déjà un grand pas en avant dans l'économie de l'eau. À ce titre, je précise, puisque je suis les affaires européennes, que la Commission européenne réfléchit en ce moment à mettre en place des critères minimums pour pouvoir encourager la réutilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles. Je pense que c'est un progrès, il faut surveiller ça. Bernard, la problématique de l'eau, c'est quelque chose qui vous tient aussi particulièrement à cœur, et particulièrement dans l'espace méditerranéen, où la gestion de l'eau pour l'avenir représente un vrai enjeu. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Oui, très rapidement. D'abord, l'eau, c'est pas simplement, et c'est une question essentielle d'avoir de l'eau potable quand on ouvre le robinet, mais dans les années qui viennent, l'eau va devenir un enjeu stratégique et géopolitique majeur en Méditerranée. On commence à en voir un certain nombre de signes précurseurs, et en particulier donc à l'est de la Méditerranée. Et effectivement, la raréfaction de l'eau conjuguée à l'augmentation de la population, conjuguée également à l'augmentation de ses usages et conjuguée aussi à l'absence de son retraitement peut effectivement poser d'énormes problèmes sur cette matière. C'est quelque chose qui pour nous est très important. Et je crois que dans cette optique-là, moi, il y a quelque chose qui me frappe énormément, c'est que l'on soit au nord ou au sud de la Méditerranée, les questions de l'eau, les questions de déchets, les questions de qualité de l'air. Regardez ce qui est en train de se passer à Paris actuellement. Hein. Ça fait réfléchir. On dit toujours, oui, les villes du Sud sont très polluées, etc. Moi, je vois simplement dans la capitale de mon pays, on commence à avoir un certain nombre de problèmes pour respirer à peu près normalement. Donc, j'en tire la conclusion, 1, que ces problèmes nous sont communs à tous, que ces problèmes sont graves et qu'ils vont le devenir encore plus dans un avenir qui est très court, dans les 15-20 ans qui viennent. Et donc à partir de là, on doit complètement changer notre méthode de traitement de ces questions. Je crois que, comme l'a rappelé notre ami de Veolia à Bruxelles, nous devons, et comme la France l'avait fait lors de la COP21, nous devons de plus en plus travailler étroitement avec les industriels et avec le monde scientifique. Il ne peut plus y avoir ce cloisonnement en train d'un côté les autorités publiques, politiques, administratives, etc. et de l'autre côté ceux qui sont véritablement au contact des réalités. Ça c'est, je pense, le premier cloisonnement qu'il faut faire sauter. Et le second cloisonnement qu'il faut faire sauter, c'est celui qui sépare ceux qui savent, qui soient les autorités administratives, politiques ou autres, ou les industriels, les scientifiques, et puis la société civile. Et là, véritablement, je crois qu'il faut également qu'il y ait un rapprochement, parce que précisément ceux qui sont supposés savoir ont beaucoup de leçons à recevoir de la part de la société civile. Je parle sous le contrôle de notre ami le géographe. Nous n'avons pas encore, je pense, pris toute la mesure. Marrakech en a été une illustration très très importante sur ce que la mobilisation des citoyens, la société civile peut véritablement apporter sur les problèmes de l'eau, comme sur les problèmes de déchets, comme sur les problèmes de mobilité, comme sur les problèmes d'emploi. Regardez en termes de novation ce qui est en train de se passer en matière de coworking, en matière de covoiturage. Et ça, ce ne sont pas les industriels, ce ne sont pas les autorités politiques, ce sont les citoyens qui s'organisent véritablement. Rien n'est parfait. Il y a beaucoup de choses, naturellement, à améliorer. Il faut, au contraire, responsabilité collective de la puissance publique, c'est accompagner précisément ces initiatives, parce qu'elles détiennent une partie de la réponse aux défis que nous avons à relever. On a abordé plusieurs notions qui sont vraiment importantes. Vous avez mentionné qu'il faut faire sauter les cloisonnements, travailler avec les industriels. David a mentionné tout à l'heure que le secteur privé pouvait aider les collectivités et les municipalités à mieux anticiper les besoins. Est-ce que, Ricardo, vous voyez, en tant que maire, en tant qu'élu local, un relais, vous aussi, dans le secteur privé pour vous aider à faire face à ces défis, notamment dans l'eau, dans la gestion des déchets ou dans d'autres secteurs? I believe that the private sector is crucial for the development of a city. Currently, Portugal is celebrating the 14th anniversary of the first local elections. And throughout these four decades, the local powers were really important as fostering the development of the cities. In terms of what I would call a pyramid of needs. First, doing the infrastructure, the water supply, the houses, the streets, the waste management, the education, then developing for other policies like education, culture, sports, whatever it may help development of the city. And finally, we are in what we call the third generation of local policies, the economic development, the social innovation, the engagement of citizens. And in these fields, the collaboration between the municipality and the private sector, even if it is a university, a local investment association, some sort of companies, it's really important because not only they can provide the knowledge, they can provide resources that the municipality don't have, and also they can guarantee that kind of engagement that I mentioned in my first intervention, because I think that one of the biggest problems of the municipalities, of local powers, is really to demonstrate that their kind of work is according to the people's needs. All municipalities all over the world try to work in order to fulfill the people's needs. But if we don't have the cooperation of the private sector, of the citizens individually, probably it is much more difficult to fulfill our purposes. And so in sectors like the water, we have that problem in Portugal, with a brief note, because Braga is currently the single city that has a fully owned system that manages all the system. We gather the water, we distribute it, we treat the waste, and we have all the process integrated in a single company that is a local company. In the rest of the country, we have several companies that were national, and now the former government tried to privatize it. Well, it was the biggest problem that we had in terms of political impact, because everybody was against it. The mayors didn't want the private companies to rule the prices and the distribution of the services. The citizens were afraid that the prices will go up according to international regulations. And so this is one of the sectors in which I think that we need a public-private partnership, but a positive one. in which the public sector controls the management of the system, but in which we can benefit from the participation of the privates as investors that will have obviously their return in terms of investment, but also that they can apport some more quality to the public administration. Merci beaucoup. Et on voit que ce n'est pas un sujet facile, que les populations ne sont pas forcément prêtes à voir certains secteurs et certains services essentiels être privatisés. Vous avez mentionné la question du prix, qui est souvent un thème extrêmement sensible. Ma question à vous, et peut-être aussi à vous, Noureddine, comment penser ces relations avec le secteur privé? Comment en tirer le meilleur bénéfice et comment être sûr que les services fournis le soient aussi à un coût monétaire et social acceptable pour les populations? Merci. Quand vous posiez la question sur l'implication du secteur privé, moi je pense que le secteur privé, il faut pouvoir l'impliquer en ayant les règles du jeu qui soient claires. Vous ne pouvez par un partage intelligent des risques. Parce que si vous mettez tout le paquet, toute votre ignorance d'un problème sur le privé, ou bien il va trouver le moyen de vous vendre un service trop cher par rapport à ce qu'il... Ou bien il va finir par mettre la clé sous la porte et partir. C'est ce qui est arrivé au Maroc, par exemple, dans le secteur du transport, de la mobilité urbaine. Vous confiez dans un contrat de gestion délégué à une entreprise publique ou privée d'ailleurs ce secteur, et vous le laissez se débrouiller dans la jungle urbaine. La voirie n'est pas adaptée, la congestion est là, le citoyen cherche, la nature est hors du vide, le citoyen cherchera à se déplacer en ayant sa propre voiture, le taxi, le pouce-pouce, je ne sais trop quoi. Et finalement, ce bus qui, si je reviens aux années 70, fonctionnait parfaitement dans une grande ville comme Casablanca, aujourd'hui a du mal à se frayer son chemin dans la ville. Et donc ça veut dire la vitesse commerciale baissant, on n'y arrive plus. Ce modèle ne fonctionne pas, par exemple, dans la mobilité urbaine. Le modèle qu'il faudrait pour pouvoir travailler avec le secteur privé de manière plus propre, c'est de pouvoir, comme l'a dit, je pense, un des collègues, c'est avoir le périmètre approprié. Oui, c'était mon voisin. Ne pas rester au niveau des périmètres des communes, parce que les réseaux, ça déborde, ça va au-delà, c'est le citoyen qui définit quel est le concept de la ville et pas la commune administrative. Et deux, il faudrait pouvoir avoir le courage de dire on sépare l'investissement de l'exploitation. Il faut que l'on sépare les risques, que le risque industriel soit sur la compagnie de transport, mais que le risque commercial soit tout ou partie sur l'autorité publique, parce qu'on ne peut pas maîtriser tous les autres paramètres de la lutte. Le Maroc, par exemple, a innové en matière de distribution d'eau, électricité, assainissement. Si on est arrivé aujourd'hui à avoir pratiquement un taux d'assainissement dans la plupart de nos villes très proche de 100%, c'est parce que nous avons un modèle qui s'appelle le multiservice. C'est-à-dire, en fait, c'est la même compagnie qui distribue l'électricité, l'eau et qui réalise l'assainissement. Et c'est avec les gains de l'électricité qu'on paye, et il n'y a pas la vérité des prix, parce que si on met la vérité des prix, le citoyen ne pourra pas suivre et payer la même chose au niveau de, vous avez parlé des prix, est-ce qu'ils peuvent être trop chers ou pas trop chers, c'est la responsabilité de la commune, puisque c'est elle qui a la compétence, de fixer le tarif. Par exemple, si je prends le tramway que nous avons aujourd'hui à Casablanca ou à Rabat, c'est la municipalité qui a fixé le tarif à 6 dirhams, à charge pour elle, si les 6 dirhams ne sont pas suffisants, de compléter, de prendre en charge le déficit de l'exploitant, parce que c'est la recette, c'est la commune, c'est l'autorité publique qui la reçoit, et le prestataire, il est payé pour transporter les passagers selon une formule... Une sorte de loyer, en fait. Voilà, au kilomètre parcouru. Et donc ça, on sait calculer combien ça me coûte le kilomètre parcouru. Par contre, je ne sais pas transporter 3000 comme transporter 6000. Mon collègue de Veolia, enfin, mon ami de Veolia ici présent, bon, on a eu une expérience à Rabat avec Veolia, mais ils se sont plantés malheureusement sur le nombre de passagers à transporter. Ils pensaient pouvoir transporter 150 millions de passagers Et en fait, ils n'en avaient que 90 millions. Et ils ont mis la clé sous la porte au bout de 9 mois. Parce qu'ils ne pouvaient pas continuer. Et là, on est dans un système où il faudra qu'on passe à ce système-là, séparant l'investissement de l'exploitation, séparant les risques. Mais dès qu'on dit ça, c'est facile le modèle. Il faut pouvoir trouver l'argent. Est-ce que vous avez une idée de ce que coûte le déficit annuel du tramway à Casablanca? Ça fait 3 ans qu'on a payé chaque année 90 millions de dirhams par an pour une ligne. Alors quand on va avoir 4 ou 5, on va avoir un super transport, mixité sociale, impeccable et tout, mais il faut pouvoir trouver la ressource. Donc je crois que la ville durable, on peut y aller, bien entendu, en ayant la vision. Il faut avoir la bonne gouvernance, mais il faut aussi avoir les outils de financement, l'ingénierie financière à mettre en place pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas uniquement un vœu, il faut pouvoir passer du quoi au comment, et en général, le problème, il est dans le comment. David, je suis obligé de vous donner la parole, parce que vous êtes un peu notre représentant du secteur privé sur le panel. On a parlé que le secteur privé est capable d'amener du financement. Ça, c'est un des thèmes qui serait intéressant d'aborder. Et l'autre thème, c'est comment est-ce que vous voyez vous, du point de vue d'un grand groupe qui est actif dans la gestion des ressources, d'interagir avec les municipalités. Et est-ce que vous voyez aujourd'hui les conditions de cette interaction comme réunies? Écoutez, moi je voudrais réagir à ce qui a été dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. le maire de Rio et M. Boutayeb. Un partenariat public-privé, ça se passe en confiance entre plusieurs interlocuteurs. Et en matière de délégation de gestion de services publics, évidemment, il est très important que l'autorité soit toujours maîtresse des débats et puisse fixer les critères qu'elle souhaite dans le cahier des charges, y compris les prix. Et l'avantage, si vous voulez, un des avantages de la délégation de services publics, c'est que l'opérateur va justement tout faire pour atteindre ces objectifs qui lui ont été fixés à travers le PPP, la délégation de services publics, le marché public. Et c'est l'opportunité, puisqu'on parlait de ville durable, pour les autorités de fixer des critères de qualité, des critères verts, des critères sociaux, des critères d'innovation. Et donc je suis d'ailleurs ravi que les habitants de Tangier, à quasiment 100%, puissent avoir accès à une eau de qualité, comme l'a rappelé M. Boutayeb. Donc effectivement, un PPP, il faut que les deux parties soient en confiance. Et je crois que le développement de PPP dans le monde va être une solution pour aller et atteindre le concept des villes durables. Il y a un concept qui dit on ne regarde que les trains qui arrivent en retard. Effectivement, il y a peut-être quelques PPP qui marchent moins bien, mais pour autant, il y en a beaucoup qui marchent très très bien. Et c'est sûrement la ville, un des moyens pour atteindre des villes résilientes. Vous avez dit que pour faire un PPP qui marche et associer le secteur privé de manière efficace, pose la question des institutions. Il faut pouvoir négocier aussi sur un pied d'égalité et il faut avoir les capacités contractuelles à formuler des besoins, à négocier des contrats. Et cette capacité, elle n'est pas forcément présente de la même manière du côté public et du côté privé. Vous avez fait le geste et on voit ça, on a vu ça dans de nombreux pays qui ont fait l'expérience du PPP. Jean-Pierre Elong Mbassi, comment est-ce que vous voyez cette question institutionnelle, vous qui voyez remonter un peu tout le revenu du terrain à travers les collectivités locales en Afrique? Vous voyez, nous sommes tombés dans le travers habituel. Nous parlons des grandes villes et des systèmes dans les grandes villes. Je vous rappelle que le chemin de la ville durable passe par les petites villes et les villes moyennes. Et vous ne trouvez pas beaucoup de secteurs privés qui se précipitent vers ces villes-là. Et nous devons faire très attention de ne pas diminuer l'intérêt et l'attention pour les villes moyennes et les petites villes. Un tiers du croît urbain de l'Afrique sera vers les petites villes, un tiers vers les villes moyennes, et un tiers vers les grandes villes. Notre attention est focalisée sur les grandes villes. Faites attention, nous avons à peu près 600 millions de personnes qui vont se distribuer sur les villes moyennes et les petites villes. Et là-dessus, l'état de dénuement de ces villes est tel que nous devrions regarder, quand on parle du secteur privé, et vous avez parlé tout à l'heure du capital que le secteur privé pourrait apporter, vous vous adressez donc au secteur privé international. Or, il y a un secteur privé local et national qui n'est pas pris suffisamment en compte dans les partenariats publics-privés. Et à mon sens, c'est une erreur parce que beaucoup de transports privés sont organisés par les opérateurs locaux, les opérateurs nationaux. Évidemment, dans les très grandes métropoles, il faut des tramways, il faut des métros, et là, c'est de grandes capitales. Vous avez raison de dire qu'il y a une différence de connaissance de ces partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Et c'est pour ça que moi, j'ai salué la décision du gouvernement du Maroc de mettre en place une direction qui assiste les collectivités territoriales à négocier des PPP. Et j'encouragerais tous les pays à faire de même. Mais il faut avoir donc des gens extrêmement compétents dans tous les domaines du droit, de l'économie, de la finance, et la recherche de financement et de l'obsolescence des infrastructures et des équipements pour pouvoir négocier en toute connaissance de cause. Il faut aussi beaucoup se servir, évidemment, de l'université et de la société civile, parce qu'il y a plein de gens dans la société civile qui peuvent aider les autorités locales à avoir des contrats, disons, équilibrés avec le secteur privé. Mais je vous demande de donner plus d'attention au secteur privé local qui, dans les petites villes et les moyennes villes, est un opérateur qui devient incontournable. Bernard, rapidement, et ensuite j'aimerais entendre Mam et Gerald. Très brièvement, juste pour faire écho à ce qui vient d'être dit, la question de la formation de la fonction publique territoriale, c'est quelque chose d'essentiel. Nous avons fait l'observation que depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, nous avons consacré des sommes absolument considérables pour former les élites administratives au niveau national. Je parle de ce que je connais le mieux, la France, l'École nationale d'administration, que le monde entier nous envie. Mais au-delà de ça, ça montre qu'en matière de fonction publique, nous avons tous, au nord, au sud, partout, mis l'accent sur la formation, avec des résultats tout à fait extraordinaires d'ailleurs, en matière de formation de la fonction publique d'État. Or, justement, ce que nous sommes en train d'assister, c'est que de plus en plus les responsabilités se transfèrent, se rapprochent du terrain. De plus en plus, la fonction territoriale, que ce soit au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communes, au niveau des métropoles, est en première ligne sur la gestion de questions aussi sensibles que celle, par exemple, de passer un PPP avec un gros groupe industriel. Il faut quand même avoir les épaules solides pour négocier, pour entamer une telle négociation, ou sur un plan d'occupation des sols, ou sur telle organisation de schéma directeur de mobilité urbaine, etc., etc. Et là, nous avons, dans les années qui viennent, en tout cas c'est une des fonctions également que nous remplissons, à Marseille, c'est précisément de mettre l'accent sur ce besoin nouveau, d'avoir véritablement des managers, des gestionnaires au niveau territorial et pas simplement dans les ministères, dans les capitales ou bien dans les services de l'État déconcentrés, mais maintenant c'est dans les mairies, c'est dans les conseils régionaux, dans l'administration régionale qu'il faut avoir de vrais cadres capables de gérer l'espace public. Noureddine, est-ce qu'on réfléchit de la même manière au Maroc ? Totalement. Je partage totalement l'avis de M. Valero. Il y a une dizaine d'années, j'ai été directeur général des collectivités locales. Et pendant les 4 années que j'ai passées à la direction générale des collectivités locales, nous avons essayé d'accompagner les collectivités, de mettre en place un plan d'action stratégique pour faire en sorte que l'élu soit un stratège, pour qu'on l'accompagne. Mais finalement, le nœud du problème, c'est d'avoir une administration locale performante. Et pour avoir une administration locale performante, ben, il faut s'attaquer à tout ce qu'il faut pour qu'elle le soit. Il y a le problème de la formation, mais il y a le problème de l'organisation, il y a le problème de la motivation, il y a le problème de la rendre au goût du jour, c'est-à-dire une administration électronique. C'est tous ces sujets-là qui font qu'aujourd'hui, la défaillance, effectivement, l'administration de l'État est à un niveau qui est largement au-dessus de l'administration locale, parce qu'on a... on n'a pas fait ce qu'il fallait à ce niveau-là. Et nous avançons dans l'approfondissement de la décentralisation, nous allons vers la régionalisation. Je pense que le grand défi, ça va être le défi des ressources humaines. Puis après, le défi de comment s'organiser, comment innover chacun dans son coin pour pouvoir sortir son propre modèle. Il n'y a pas, je disais à l'époque, il n'y a pas une décentralisation, il y a des décentralisations autant que de pays, et chacun doit avoir l'intelligence de faire son marché et d'essayer d'arriver à la décentralisation ou au processus, aux outils qui lui permettent d'avancer. Je voulais peut-être juste rajouter un point sur un autre sujet qui me tient à cœur, c'est l'eau. La gestion de l'eau. La croissance urbaine a fait que le Maroc, dans le 19e siècle, les villes étaient à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, comme dans pas mal de pays, on est dans une logique de littoralisation totalement exponentielle le long du... Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez continuer à apporter de l'eau à ces villes-territoires, du point de vue gestion optimisée des ressources en eau, c'est un non-sens. Parce que vous ramenez 100 litres et vous en déversez 75 dans... Vous en consommez 25 et vous en déversez 75 dans l'océan. Donc, ça veut dire que vous n'utilisez pas cette eau autant de fois que nécessaire. Donc ça veut dire que là, il y a énormément à faire pour pouvoir... L'étape suivante, ça va être le dessalement de l'eau de mer. On n'y coupera pas, parce que nous avons des villes tellement importantes que pour ramener des débits de plusieurs mètres cubes secondes à la ville, il faut que vous ayez des structures derrière, des barrages, pour pouvoir mobiliser cette eau, mettre des grosses conduites et les ramener. Vous n'êtes plus dans la petite ville de M. Mbassi, où vous avez des puits, où vous avez des forages, et vous vous en sortez avec ça. Donc ça veut dire que le progrès économique nous avait fait perdre la notion de nos anciennes villes qui étaient proches des rivières. On se servait dans la rivière, et puis on rejetait, et puis le milieu naturel faisait ce qu'il faisait, parce que la ville était petite, et parce qu'on pouvait y arriver. Donc c'est un vrai défi, le défi de l'eau. Je pense que dans tous les pays, il y a cette littoralisation accrue, et il faudra certainement trouver les solutions adéquates. Le dessalement en est une, c'est encore cher, mais on n'y coupera pas. J'aimerais vous l'entendre sur l'expérience du Sénégal. Le Sénégal a fait des expériences, à vous nous le dire, positives ou négatives, mais on a fait beaucoup avec le secteur privé dans le développement des infrastructures. Et notamment parce qu'il a su se doter d'institutions et de capacités qui lui permettaient d'associer le secteur privé avec succès. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience et de comment elle est vécue par la population? Merci beaucoup. Je vais juste, parce qu'on est maintenant dans les approches solutions. Je crois qu'on a débattu un peu sur les contextes, parce que c'était... On ne va pas passer la nuit dessus, il faut trouver maintenant les solutions pour voir aujourd'hui comment aller vers cette notion de ville durable. Effectivement, la ville, ma conviction est qu'elle se lie à travers les générations. Aujourd'hui, si on demande à l'assistance de prendre une feuille et d'aller voir leurs enfants pour leur dire, de leur dessiner une ville créative, simplement dire à l'enfant, dessine-moi une ville créative, la ville que tu veux demain. Forcément, l'enfant te mettra la ville de ses jeux et de ses enjeux. C'est un peu vers ça que nous allons. L'autre question qui a été soulevée, qui est réelle, c'est la qualité et la nature du leadership municipal. Aujourd'hui, qui doit être l'élu de nos grandes villes pour faire la ville de demain? Ce n'est pas le président de la République, c'est le président de la République orchestre, organise une politique globale. Mais l'élu doit être un homme ou une femme construite de telle sorte que, quand il négocie au plan national et international, le partenariat peut être habillé, peut avoir un contenu et une quintessence absolument adaptée à la ville. Donc nous sommes sur les marches de la ville durable. L'autre chose, M. Noureddine l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en Afrique, aujourd'hui, toute la croissance urbaine se fait sur les villes côtières. C'est à travers ça que Brazzaville, Dakar, Abidjan, Lomé ont été bâtis par le colon, avec une place centrale qui oppose la ville ancienne et l'ancienne ville. Et ça nous a un peu complexé, parce qu'à un moment, on était convaincus qu'on ne pouvait pas bâtir une ville africaine organisée, une ville africaine construite sur des bases africaines, du bonheur, mais également de la vie. On n'en était pas capable, parce que le colon nous a formaté de telle sorte qu'on a eu peur en se disant non, on ne pourra pas. On ne pourra pas faire une ville intelligente. Aujourd'hui, le concept des smart cities avec le smartphone, avec la ville sécurisée, avec tout ce qui se construit autour, a fait son petit chemin à cause du téléphone, d'un simple écran de smartphone, pour rendre la ville plus sécurisée, plus organisée dans la gestion et la collecte des ordures. Et c'est un peu ça, vers ça, que le Sénégal essaye d'aller. On a un président de la République qui est né en 1962-61, qui n'a pas connu l'époque coloniale, qui n'a pas connu ce complexe. On est arrivé à un niveau où maintenant des stratégies se développent. Et ça me fait plaisir, parce que l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, dans la ville, c'est de rendre le beau fonctionnel et le fonctionnel plus beau. C'est tout l'objet de notre débat ici. Faire en sorte que le fonctionnel soit plus beau, mais également que le beau soit fonctionnel. Et quand on s'est rendu compte, à un moment, le débat a été soulevé par les médias, mais également par les experts de l'université et tous les instituts qui travaillent sur les questions urbaines, que l'aéroport de Dakar, par exemple, est-il aujourd'hui à sa place? La question a été posée. Ensuite, Dakar peut-il continuer à écraser tout le reste du pays de par sa macrocéphalie, parce que Dakar fait 3-4 millions d'habitants, le reste des villes secondaires sont mourantes, Kaolack, qui était la deuxième ville, est devenue la cinquième ou la sixième ville. Mais également les jeux d'influence des marabouts, parce que nous avons des chefs religieux pour lesquels on construit des autoroutes de manière pas intelligente, des autoroutes qui ne sont pas rentables, et on fait des autoroutes comme ça pour faire plaisir à une clientèle politique. Donc moi je pense que le leadership municipal doit être construit à partir d'idées généreuses et intelligentes. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut saluer l'effort du président Wade d'avoir lancé le projet de nouvel aéroport, l'aéroport international Blaise Diagne, qui va secourir un peu Dakar. Entre les deux, le Sénégal tente de construire un pôle émergent qui s'appelle le pôle industriel et universitaire de Diamniadio. Ça se situe à 40 km de Dakar, qui va expérimenter un petit train express qui va relier l'aéroport de Diass et le centre de Dakar. Jusqu'à présent, les rails sénégalais se sont confinés à ce que les colons ont voulu leur laisser. Aujourd'hui, le Sénégal va tenter de construire ses rails à lui. Tout le chemin de fer sénégalais est un chemin de fer construit pendant l'époque coloniale. Et il y a quelque part quelque chose qui bouge. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'à travers les générations, les choses bougent. Ici au Maroc, c'est la même chose. Un peu partout en Afrique, c'est la même chose. Parce que les gens sont en train de sortir un peu de ce complexe du colonisé qui consistait à ne pas créer, à ne pas pouvoir construire quelque chose de beau et de fonctionnel. Maintenant, ils sont en train de le faire. Évidemment, avec le secteur privé, parce que les Marocains sont très présents dans le projet de Diamniadio, également d'autres pays. Mais refaire de la ville un espace de vie, c'est un enjeu. Et je pense que ça demande l'intelligence de tout le monde, le public comme le privé, les instituts, les universités comme la société civile, les populations et les enfants qui y vivent. Je pense que tout le monde est appelé à y réfléchir. Merci. On arrive déjà au terme de notre débat. On a évoqué beaucoup de sujets et il en reste encore beaucoup. Mais il y en a un qu'on a évoqué et qu'on n'a pas abordé et j'aimerais qu'on termine avec ça. C'est la question du financement. On a dit développer des services publics de qualité, accessibles, abordables, ça coûte extrêmement cher. Et les municipalités n'ont pas forcément les moyens évidents de les mettre en œuvre. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme solution ? Qu'est-ce qui existe comme financement innovant qui sont à la disposition des élus locaux? Qu'est-ce qui vous remonte du terrain et qu'est-ce que vous voyez comme solution? J'aimerais vous la poser au groupe et je vous laisse, je sais pas, qui aimerait et qui se sentirait répondre à la question? Ricardo, avec plaisir. We have already spoken about the connection between the municipalities and the private sector, but I think that we didn't mention something that I think is also very, very important, which is the connection between different levels of the public sector. It is, for instance, when the Secretary General was referring to the problem of small cities and medium cities, I think that we can't think that all sorts of cities, all the municipalities, even in the same country, must have the same role and the same type of functions. We need some mid-term structures, either at the metropolitan level or at the regional level, that can work together with the municipalities below and with the state, national state on top, so that they can have the most efficient allocation of resources and of responsibilities as well, and so that the services provided to citizens are the best possible. And apart from that, obviously, in specific contexts, we have the international programs and international financing projects from several institutions at the European level of the European Union, of course, of the European Investment Bank, of the OECD, of the World Bank, that can support specific projects and networks for financing their development of the infrastructure and projects that can upgrade the level of their cities. Est-ce que, peut-être pour conclure encore un mot, est-ce que l'autonomie, on a parlé d'autonomie politique, administrative, qui est nécessaire au niveau local, est-ce qu'elle ne doit pas aussi s'accompagner d'une autonomie fiscale pour les collectivités locales qui leur permettrait d'avoir les moyens pour mettre en œuvre leurs ambitions d'infrastructure? Écoutez, la décentralisation en Afrique est bancale du point de vue du financement. Toutes les lois de décentralisation disent concomitance du transfert des ressources avec le transfert des compétences. Aucune, ou pratiquement aucune, n'obéit à cette concomitance. Et ça peut se comprendre. Par contre, ce qui se comprend beaucoup moins, c'est que quand on prend un pays développé, 40% de l'investissement public civil est mis en œuvre par les collectivités territoriales. Chez nous, 5% en moyenne, et dans les pays les plus avancés comme le Maroc, 18%. Donc, on voit bien qu'il y a un déséquilibre patent entre les investissements publics et les services publics que veulent les gens, et le partage des ressources publiques entre l'État national et l'État local. Et c'est une question fondamentale. Ce n'est pas simplement un champ fiscal à définir, c'est vraiment le partage de la ressource publique entre le niveau local et le niveau central. Actuellement, le niveau central s'accapare de l'essentiel. Et ensuite, lorsqu'il y a des financements internationaux, c'est quoi les financements internationaux? C'est un peu comme ton banquier qui te prête en attendant que tu puisses te refaire et rembourser. Les collectivités territoriales souffrent de deux maux essentiels. Le premier mal, c'est que les financements internationaux y arrivent difficilement lorsqu'ils sont mobilisés. Le deuxième mal, c'est que le secteur privé qui doit payer ses impôts là où il produit sa plus-value, eh bien non, il paye à l'État national. La plupart du temps, il n'y a pas de fiscalité d'établissement. Donc, les collectivités territoriales se retrouvent dans une situation où elles ont beaucoup de demandes, elles ont peu de moyens. Elles ne sont pas totalement exemptes elles-mêmes de reproches, mais véritablement, il y a un déséquilibre inacceptable entre les ressources publiques affectées au niveau national et les ressources publiques affectées au niveau local. Il faut vraiment qu'on conclue. J'aimerais donner encore la parole à Rudiger pour enchaîner sur ce sujet. Oui, il y avait deux choses que je voulais dire. La première, c'est que je pense que la façon optimale, ce n'est pas forcément transférer énormément des ressources qui sont données par le pouvoir central, après au niveau régional ou aux villes, parce que, comment je dirais, de façon générale, les gens sont beaucoup plus soucieux avec l'argent pour lequel ils sont travaillés que l'argent qui tombe un peu du ciel. Et c'est un peu pareil au niveau sous-national, si grosso modo l'argent vient des propres contribuables, si c'est des impôts ou des tarifs qui sont décidés au niveau local et qu'après que les gens payent, les élus locaux vont être sont beaucoup plus contrôlés aussi par leur propre population. Et grosso modo, si vous faites une décentralisation, après, parce qu'il y a des pays qui ont peur, parce qu'ils pensent qu'on fait de la décentralisation, après on ne peut plus contrôler toutes les 50 000 entités qui après vont avoir la possibilité de dépenser l'argent d'une façon sous-optimale. Mais bien sûr, on ne peut pas. Mais c'est pour ça justement que c'est important d'avoir un contrôle local, et c'est ça la façon comment ça peut marcher. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de faire une adéquation, que donner plus d'autonomie, pas seulement pour dépenser, mais aussi plus d'autonomie pour créer des ressources au niveau local. Je crois que c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point que je voulais dire, il y a beaucoup de débats à quel point on peut avoir le financement privé, les banques, etc. pour l'infrastructure dans le pays en développement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'il y a quand même certains projets où on va générer des bénéfices. Il y a certaines rues, oui, d'accord, on peut financer comme ça. Mais le transport public, et vous en avez parlé, dans la plupart des villes de ce monde-là, c'est déficitaire. Alors, grosso modo, s'il y a quelqu'un, un investisseur privé qui vous, déjà, s'il vous prête l'argent pour un projet qui est déficitaire, c'est déjà un miracle. Et 2 mois après, déjà, c'est déficitaire de juste de le faire fonctionner. Et en plus, après, vous voulez rembourser chaque année encore des sommes faramineuses pour un investisseur que vous payez très cher en taux d'entrée parce que le projet est très risqué, etc. Ça n'a pas de sens. Alors, il faut quand même que pour ce projet-là, qu'il y a un vrai financement. Et une façon qu'on peut faire, qui est très peu utilisée aussi bien dans le pays de l'OCDE qu'ailleurs, c'est ce qu'on appelle du land value capture. Parce que quand vous créez des structures, quand vous créez l'infrastructure, surtout le transport public, ce qui se passe généralement, que les terres, que les maisons qui sont proches de ces stations que vous créez, ils doublent, ils triplent, ils augmentent 10 fois en valeur. Et là, les gens qui habitent là, franchement, ils ne sont pas mérités parce qu'ils n'ont rien fait pour ça. C'est la ville qui a dépensé l'argent pour faire ces infrastructures-là et que c'est les gens privés qui ont eu l'argent, qui ont eu la chance ou les connexions pour être bien placés au bon moment et ils ramassent le fruit de ces trucs-là. Et ce n'est pas du tout juste et ce n'est pas du tout intelligent non plus parce que si cet argent-là peut être récolté au moins partiellement, on peut l'utiliser pour financer des infrastructures de transport dans les villes qui, sinon, on n'a pas les moyens de faire. Et si on n'utilise pas cet outil-là, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont essentielles et qui pourraient être financées au moins en grande partie par cette méthode-là, vont tout simplement pas être construites. Voilà, je pense que c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup plus à ces outils de value capture pour être capable de créer les infrastructures dans les villes qu'on aura besoin de faire. C'est important. Noureddine, le mot de la fin? Oui, ben je voulais, pour revenir sur les ressources, si je prends le cas marocain, nous avons à peu près, globalement, 50% qui viennent du produit sur la TVA. La TVA au Maroc, elle est collectée au niveau central et 30% sont reversés aux collectivités locales. Si je prends globalement l'ensemble des collectivités, 50% de leurs ressources viennent de la TVA et les 50 autres viennent des impôts locaux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, puisqu'on parle de la ville durable, plus la ville s'étale, plus on plombe les collectivités territoriales parce qu'elles doivent, elles auront besoin de plus en plus de ressources pour pouvoir entretenir la voirie qui est de plus en plus longue, pour pouvoir mettre en place l'éclairage qui est de plus en plus important, pour pouvoir mettre en place un système de transport, etc. Dans le transport, je terminerai là, le transport, le modèle qu'on a trouvé pour pouvoir, je dirais, faire un saut qualitatif en allant vers un transport de masse en site propre, c'est on a mis en place un fonds d'accompagnement du transport dans lequel l'État met, on a essayé d'estimer quels étaient les besoins et il y a un engagement sur 10 ans pour mettre 2 milliards de dirhams, 1 milliard du budget de l'État et 1 milliard du fonds de la TVA pour pouvoir accompagner les communes. Et selon un modèle dans lequel on participe à l'investissement initial, à hauteur de 70%, donc la commune, les communes, l'établissement de coopération intercommunale, parce qu'on a mis en place une structure supracommunale qui est au niveau de qui représente la ville, mais les 30%. Et après, pour l'investissement différé, le prêt, c'est une société de développement local qui le prend, c'est-à-dire on met un outil que connaissent les banquiers, parce que le banquier financer une collectivité locale, il a tout de suite peur parce qu'il y a des histoires de budget, il y a des histoires de délibération, etc. Donc la commune crée une société de développement local, donc c'est une SA, et c'est donc cette SA, ce bras armé, qui gère, qui lance des investissements, qui prend le prêt, et le fonds rembourse le service de la dette, prend en charge le service de la dette. Avec ce système, nous avons mis en place un grand projet très ambitieux pour Casablanca, où il y a 4 ou 5 lignes entre tramway et BHNS, qui est un montant global de 16 milliards de dirhams. Il n'y aurait pas eu l'État pour pouvoir mettre en place ce système, bien sûr, avec la compétence, elle est toujours au niveau de l'établissement de coopération intercommunale, mais il faut pouvoir venir à son secours. Sinon, aujourd'hui, les ressources existantes ne sont pas suffisantes, mais pour dire un peu ce qu'a dit M. Mbassi, il y a un potentiel important à aller chercher, fiscal à chercher. Nos communes, puisque les administrations locales ne sont pas encore suffisamment performantes, il y a de l'argent à chercher. On a fait une étude à Casablanca, il y a un potentiel de 1,5 milliard de dirhams par an à aller chercher. Ça, c'était en 2010 ou 2009 ou 2008, par là. Et donc, ça veut dire 1,5 milliard. Quand vous avez une idée du kilomètre de tramway qui coûte 200 millions de dirhams, et que l'excédent de Casablanca, c'est 200 à 300 millions de dirhams, si elle le fait toute seule, elle fera 1 kilomètre par an de tramway. Il faudra je ne sais pas combien de temps pour y arriver. Merci beaucoup. On terminera sur cette note positive. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette discussion aujourd'hui. Merci beaucoup aussi à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, la discussion continue tout de suite avec un panel sur la santé en Afrique. Merci.